Bonsoir, bonjour, salut, comment ça va? Bonsoir, bonsoir. Quoi de nouf? Grand chose depuis. Évidemment. Bah, on va continuer, hein? Hein, on va pas s'arrêter. Hop. Le Gat-Gat qui rechange juste à temps. Ouais, salut Gat-Gat, comment ça va? Salut, salut, ça va? Un peu fatigué, dans la semaine, tout Un ça. peu fatigué. Je vais bien. Bon week-end. Ça Ah date, oui. ça. Quoi, vous êtes déjà en week-end? Il est jeudi seulement. On Ouais, rentre il pas est. tout la semaine, non? Ouais, il est jeudi. Oui. Genre, j'ai eu un bug de la matrice. Enfin bon. Alors. Depuis le dernier live, rien de nouveau. Bah tiens, non, il y a quand même un petit truc. Il y a un truc qu'on a discuté vite fait en off, mais ça fait un peu partie aussi du projet, donc je pense que c'est pas con d'en parler aussi un peu en live. J'ai presque envie qu'on essaye de mettre un peu plus à jour le visuel de la chaîne, pour que ce soit un peu plus propre, pour qu'on ait une petite identité et tout ça. Je pense que ce serait pas mal. Donc voilà. C'est de ça dont je voulais vite fait parler en début de live, histoire d'entrer les hostilités, avant qu'on continue. Vos avis? Merci. J'ai pas d'avis tranché là-dessus. Ah, les avis. Moi, je suis là pour le support technique. Hein, tout ce qui est... Le reste, vous vous débrouillez. Putain, je me T'as sens cru, toi? tellement épaulé. Non, mais en T'as gros, cru? en fait, ce qui serait pas mal, c'est qu'on essaye, tu vois, de trouver une espèce d'identité, tu vois, au projet ou quoi, parce que bon, on va pas changer le truc du stream toutes les 35 minutes. On Donc, ne change jamais. ouais, il faut bien changer, parce que là, on utilise encore des trucs gratos, machin et tout, c'est un peu chiant. Donc voilà. Oui, c'est gratuit. Ouais. C'est surtout en fait la présentation d'en bas, moi, qui me dérange un peu, tu vois, genre, on pourrait bourrer un peu les Présentation d'en informations. bas. Quand tu descends, quand tu arrives sur la page de garde d'une chaîne Twitch, quand tu descends, en fait, t'as Ah. plein les informations. Bah, c'est ça aussi qu'il faudrait peut-être, tu vois, changer un peu, avoir des petites icônes sympas, faire un truc un peu propre. Parce que là, pour l'instant, il y a juste Link, c'est tout. C'est vraiment tout, quoi. Donc voilà. Enfin bon. Comment ça marche ça? Alors, en gros, il y a des PNG à mettre, enfin des images, quoi, et. Puis après, tu vois, on peut aussi mettre des links dessus pour certains. Tu vois, genre, en gros, tu appuies sur l'image et du coup, ça te redirige sur une autre chose. Et voilà, enfin, ce serait pas mal, tu vois, qu'on mette ça un peu au propre, histoire qu'il y ait de quoi bouffer sur la table, comme on dit. Enfin bon. Voilà, donc je vous dis ça, c'est pour qu'on essaye de réfléchir peut-être un peu chacun de son côté, voir ce qu'on aimerait bien comme visuel, d'accord? Bon, moi je pense pour un truc un peu épuré, un peu simple, tu vois, pas compliqué, tu vois, genre pas le truc, on a l'impression c'est une fête foraine en termes de couleurs, mais quand même.
Voilà, c'est tout. C'est tout ce à quoi je pense pour le moment. Tellement vaste. De quoi? C'est tellement vaste. Oui, c'est tellement vaste. Mais au moins, en gros, on part pas sur bah, le carnaval du Brésil, quoi, tu vois. En termes de couleurs, ça n'arrive pas dans tous les sens, tu vois. Mais du coup, ça ne dit rien sur l'identité que tu recherches. Oui, c'est pour ça. Donc, c'est pour ça qu'à la rigueur, il faudra qu'on fasse à un moment donné. Bah, quelle image on représente. Enfin, comment on se représente, nous, en fait, dans notre tête, un peu l'image de James Pell. Puis après, on essaie de voir un peu qu'est-ce qui concorde, qu'est-ce qu'on veut essayer de transmettre par ça et tout ça. Et puis après, on prendra une décision, quoi. Je pense que ce serait pas mal. Enfin bon, voilà. Donc, allez, on se met à bosser. Pouf! Switch. Nous en sommes où, du coup, Gadgad, Tulor, dans votre partie? Nous, on avait commencé à mettre la représentation data du menu. Yes. C'est encore en progression. Mm-hmm. Parce que pour le moment, on peut pas représenter les textes et containers. Une fois qu'on aura ça, ça devrait marcher. D'accord. T'as raison. Voilà. Yes. Tout à fait. Et on n'avait pas compilé. On n'a toujours pas compilé. Ouais. De toute façon, là, même si j'essaie de compiler, ça a marché parce qu'on n'a pas rajouté le CPP. Donc. Voilà. La fente. Bon, it is okay. Bien. Okidoki. Là, on était sur l'autre du texte. Oui, on discutait aussi des paramètres par défaut. Et... Comment gérer ça? Alors, moi, je me suis fait une petite mage de terre. Alors, dans son lore, en fait, elle est un peu maudite, donc c'est pour ça, du coup, qu'elle a une gueule d'Amashi. Bon, pas bien, du coup, vu que c'est pas l'écran principal. Ouais, non, mais... Ah, bah, tu mets des trucs sur le sur l'image, vaut mieux montrer l'image. Ok, attends. Je swap correctement, voilà, c'est pas tout ça, voilà, c'est ça. Allez. Donc voilà, j'en suis là, moi. Le problème, c'est que le thoracique, cette dame, non? Oui, non, mais justement, parce qu'en fait, en fait, c'est pas vraiment une race. En gros, si tu veux, c'est la conséquence dans ce monde-là. En fait, quand tu vends une partie de ton âme, ou en tout cas que tu commences à toucher un petit peu à ton âme, ton corps se transforme progressivement en pierre. Donc, d'accord. Du coup, ça se creuse et tout ça. Donc, voilà. Et vu que ça touche toutes les espèces, bah là, pour le coup, tu vois, c'était une demi-elfe. Du coup, elle se fait défoncer. Donc, voilà. Voilà. Ça, c'est tout pour elle. Yep. Parce que je voulais faire un peu une maudite pour l'image de terre. Tac. Paf. Yux. Bon. Voilà, ce sera là. Thank you.
Paf et paf. Allez, ça c'est bon. Deux. Supporte le float, le MDF, ou c'est des doubles qui renvoient? Ah, c'est du float. C'est du float. Je crois qu'il y a les deux. Ouais, enfin, du coup, tu peux prendre ce que tu veux, quoi. Semble. Donc ça... Ok, ça... Ça reçoit le temps du float, mais tu peux demander un double et il fera juste un cast. Ouais, c'est ce que je me disais, du coup, il y a peut-être des castes derrière, un peu implicites. Mais ça marche, quoi. De quoi tu parlais? C'est qui le king? Ah oui, il y avait l'histoire de l'un par défaut et tout ça. Ouais, c'est ça, c'est... C'est quelque peu tricky. Si en fait tu vas peut-être alors je vais être directement égal à text widget component color value. Je récupère le barret. Tac. Hop. Je récupère directement les elements et puis... Quand une fois que tu as récupéré la taille, tu peux même que faire un interprète cast comme un gros sale sur le premier élément pour le casser en vector 4. Sérieux, tu penses? Ça m'a pas l'air très, très future-proof, ça. C'est hyper safe. Tu vas me dire, au pire, le réinterprète, il va péter, non? C'est même pas dit. Non, non, le retard de casse il pète pas. Non, 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 il va pas le savoir en fait. Mais c'est garanti que dans Elements c'est des trucs qui sont alignés, contigus. Et ouais, mais tu vois, si Vec float, si Vec 4 float il change. Il changera pas. Ça c'est de la promesse du tonnerre quoi. Oui, c'est sûr, on peut pas prendre un vecteur 4 qui a autre chose que 4 float dedans. Enfin, qui a 4 valeurs. Non. Le jour où ça change, il y a toute la base de code qui explose. Bon, c'est rassurant, hein. Il n'y aura pas que moi. du coup, faut que je vérifie le... Il y a 4.
C'est le cas. Et tu me dis, je peux directement réinterpréter sur l'élément 0. On va avoir un truc begin, je pense. Comment? Un begin? Ouais. Tu réinterprètes Gaston. Pour lui donner le. 24F référence, je pense. En avec 4F référence? Ouais. En référence, carrément? T'inquiète. Ça dépend ce que begin te. C'est potentiellement un pointeur, du coup tu peux peut-être faire un pointeur et des références derrière. Mais parce qu'après ces valeurs elles vont disparaître, ouais, mais tu vas me dire on va les mettre dans le text widget. Les copier dans color, dans ta variable locale color, de toute façon. Vu que color c'est pas un pointeur. Ouais, non. Ouais, mais tu vois si je mets une référence. Il va le copier quand même. C'est juste pour pas faire de référencement. Apparemment, oui. Tu disais, il y a peut-être un begin dedans. Et regarde, il renvoie begin. Ouais, c'est ce que je vais regarder. Ça doit être un pointeur. C'est sur le proxy, hein, c'est ça. C'est un auto. Non, c'est un itérateur. C'est pas un pointeur. Ah, mais du coup, tu peux le déréférencer. Dans le cast, comme ça te donne la valeur. Et paf, tu. Trust me. Ouais, mais d'ingénieur. Ah! Exactement. Je regarde parce que du coup, il renvoie le begin du. Array underscore element, voilà. Ah, bah c'est ça. Du coup, faut voir ce que le vecteur fait en begin, en fait. Le vecteur, c'est un LLC vector? Ouais. Ouais, parce qu'il te renvoie un pointeur. Les itérateurs, c'est des pointeurs. Alors, je vérifie quand même, mais il me semble que c'est. Ouais, c'est un LLC. Ah, alors, ouais, element, ouais, c'est un LLC vector. Ouais. Du coup, ça renvoie un pointeur, tu dis? Ouais. Écoute, soit tu. Interprète cast en pointeur, tu déréférences le résultat du interprète cast. Soit tu réinterprètes cast en référence et tu déréférences le begin. Au choix. Comment t'as dit? Attends, je regarde parce que je suis en train de chercher le begin. Ouais, ça serait en pointeur en effet. Donc, soit ici je le déréférence avant le réinterprète cast en fait. Ouais, c'est ça. Sinon, tu le déréférences avant l'interprète cast, mais du coup, faut que tu castes en pointeur et pas en référence. Ouais, c'est ça. Le serveur. Ouais, il n'y a pas de truc plus safe que l'autre, je crois. Bon, bah, on va prier. En vrai, j'ai jamais testé de faire ça, mais. Normalement, ça marche. J'ai pensé là, je me suis dit, tiens. C'est rigolo, on va essayer de faire ça, là. Ça a tout pété. Bon, la suite au moins elle est plus simple. C'est juste un float. Là, sur le rendu de texte dans le moteur, j'ai réussi là tout à l'heure à faire du texte, afficher du texte avec en coordonnées d'interface, genre ce que tu utilises maintenant. Et du coup. Comment? T'as réussi à. Afficher le texte d'interface, genre en lui passant les coordonnées de la fenêtre en pixels, et du coup ça marche. Et du coup, pour que ça arrive dans le. Que ça soit livré, il n'y a plus qu'à faire un peu de cuisine et puis livrer. Stylé. Très stylé. Donc 3 mois. J'ai perdu, c'est Ask. J'allais dire un truc, je sais plus ce que j'allais dire. Terms? Non.
Comment? Pas comme ça, monsieur. Pas comme ça. Ça va pas marcher. Ah, c'est forcément MDF Kane qui cherche ici. Je suis en salaud. Alors le float, je sais plus si c'est float ou floating. Mais c'est... Et puis là, il va pas me le dire. types. Je pense que ça va être floating. Ce float. Ah d'accord. Déçu. Ok, déçu. Et du coup, en fait, ici, je peux faire un peu mieux parce que j'ai pas de vérif à faire sur la size. Ouais. On peut faire du ternaire. Exactement. As. Dans ce cas-là, on va prendre. Du coup, c'est le texte et le J. Et c'est ici que je casse en flotte, c'est ça. Ouais. Size name. Sinon, on prend le default. Et là, la magie de la vie fait qu'on a le droit de constifier celui-ci. Wow. D'ailleurs, constifier on a le poulien, ouais. Constifier celui-ci aussi et celui-ci aussi, parce que au début, je pensais que j'allais changer sa valeur avec la taille d'Elements, mais au final, j'ai pas été convaincu. Mais parce que en fait si je sortais en fait ici ce if là si je faisais un if as value et que je le sortais des vérifs ça marcherait mais c'est pas forcément plus élégant ni plus pratique en fait donc et en vrai même le as color value je pourrais directement le mettre dans le if. J'ai pas besoin de le garder en temporaire, en fait, j'utilise qu'une fois. Bon, en fait, c'était dans l'idée de faire un ternaire à la fin, mais ça ne marche pas pour color. Donc voilà. Ouais, mais incroyable. Je crois que le text widget il prend bien une string view. Ouais. Il prend l'allocateur pour créer la string. Donc là on va. Ouais, et du coup, faut que je fasse un mec unique là. Tout à fait. Comment on fait des mecs uniques déjà? C'est ici que je les ai ou pas? Ouais. Attends, ah, il est là. Non, si on a le mec unique. Ouais, du coup, on lui envoie l'allocateur et la liste des paramètres. Merci. Mec unique de text component. Allocator. Allocator. C'est quoi cette text value? Color et size. J'ai juste appelé color, ça c'est un truc, je suis en salon. Ah, c'est joli ça. Pour une parenthèse, qu'est-ce qu'on dit sur le... parenthèse fermante dans le return. Ce compléteur est craqué. Je pense qu'il a craqué parce que text value compile pas encore en fait, vu que c'est une analyse string view. Du coup, il doit pas trouver son token. Ouais. Et du coup, il fait ah, est-ce que tu t'es pas trompé en text name parce que lui il arrive à compiler. Je pense que ça doit être ça le bail. Du coup, il manque une c'est pratique quand ça compile. Ouais, du coup, il manquait une parenthèse ici. Yep.
Ce truc-là, c'est quand même assez pratique quand ça compile, parce que du coup, si tu fais une typo, il te fait, tu voulais pas dire ça plutôt? Mais Oui. c'est Bah, assez du con. coup, tu pourrais essayer de compiler. Non, on fait le container avant. Le code. Comme ça, on va avoir toutes les erreurs d'un coup, ça va être la teuf, ça va être le festival du rouge. C'est beaucoup plus simple. Bon, on va se croire à une soirée à la CGT, quoi. Coucou, c'est Ninja. Ça va, Céline? Ça, je l'ai pas eu trop tard. Il disait, tiens, ça fait longtemps que j'ai pas regardé le chat. du coup, on disait, on allait faire le container. Container qui a quasiment rien en paramètres, mais faut qu'il appelle le celui de base widget. Cut chain one en info. Ça parle de CGT. Ah ben ça. Et ça parle de CGT. Non, ouais, c'est toujours la syndicalisation Exactement. très présente. On va C'est refaire très très bon. les graphismes Tout en rouge. en tout rouge. En vrai, pour le moment, le fond est tout noir. Donc on pourrait mettre un peu de rouge et ce serait sympathique. Du coup, Chadron n'a pas besoin d'infos. Hop. En vrai, ça, je crois que c'est pas nécessaire. Parce qu'en fait, les Chadron, ce sera forcément des bases widgets. Vous avez complètement abandonné le planning. De Quel quoi? planning? Ah, parce que en fait, c'est le planning du genre, tous les, Celui de Twitch. ouais. Celui qu'on n'a pas mis à jour depuis, Ouais. depuis la première semaine, je crois. Exact. Ouais, faudrait qu'on le refasse en effet. Ce serait pas une mauvaise idée, ça. Surtout que tu me disais que ça a pas compilé en fait, parce qu'il faut qu'il soit dans un objet, le base widget égale. C'est bon du coup comme ça. Là c'est bon. Ah, non. Tu ferais une parenthèse genre ici là, avant le base widget. Faudrait que tu. Où je vire le base widget égale en Ouais, fait, parce que si t'as c'est si t'as pas forcément besoin. des base widgets, bah, je Mais ça, pense si que t'as pas c'est besoin ça. du type, tu peux virer le truc. On va faire ça pour le moment parce que je vois pas ce qui pourrait être à la place du base widget là. C'était important pour les components parce qu'on a plusieurs components. Ouais. Mais normalement, les widgets, on a dit qu'on n'en avait qu'un seul type. Et que c'était leur spécialisation qui allait différer. Donc normalement, on peut faire ça. C'est parti. Au moins là c'est simple. On n'a qu'un seul type. Ce sera du coup chain run name. Je sais pas si GetGet avait eu l'occasion d'aller voir le truc que j'avais envoyé pour possiblement avoir un partage de fichiers. Ah oui, j'ai vu ce que t'as envoyé, mais j'ai pas cliqué dans le lien. Ah bah bravo, bravo, tout le but était là. Ah. Ah, j'avais pas compris, désolé. Je croyais que c'était pour stocker des trucs, mais j'ai pas de trucs à stocker, donc je me suis dit ça va, c'est pas pour moi. Non mais parce que du coup tu sais on peut stocker genre le GDD et tout ça et filer le lien aux gens. Ça on peut mettre le lexique dessus, on pourra mettre tous les trucs qu'on doit partager facilement, tu vois, on peut le mettre dans un seul dossier, partager le dossier. Et puis voilà. Comme ça, Nurse, il arrêtera de faire de la rétention d'informations. Je n'ai pas beaucoup de comment on parle. Alors le savoir, ça se partage. Oui. C'est comme. Voilà. Comme la bière.
Je suis pas sûr de ce que t'allais dire, mais j'ai une idée et c'était vachement sale. Je veux pas savoir. J'ai rien dit. Ouais, j'espère. T'as à l'œil. Pour le coup, on va pas autoriser le fait qu'il ait pas d'enfant. Ça n'a pas de sens en fait. Je crois qu'on avait autorisé le base widget sans component. Ah non. Pardon, je m'excuse. Non, j'ai pas du tout autorisé. Oh, et c'est bon. Après, au pire, on pourra toujours faire un component blank. Ça aura peut-être plus de sens en fait que de rien mettre. C'est pas très. Ouais. Ça ressemble plus à un problème de configuration s'il y a rien dedans. Quoi. Bah c'est ça. Puis dissocier le problème de configuration de non, je voulais juste un blanc. C'est compliqué ça. Sauf si c'est un component blanc. Incroyable. Ouais. Comment ? L'heure de la compilation. Pas encore, pas encore. Ce n'est pas fini. On aurait dit pépé dans Jackie Chan. J'y ai pensé, après je me suis dit, bon, on va pas relancer ce même désenfer. Ce n'est pas fini. Mais t'es bien cette série. Pas été venu rébarbatif, mais ouais. Ah, après, franchement, moi j'en voyais pas souvent, donc ça n'a pas eu le temps d'être rébarbatif pour moi. Comment qu'on faisait ici? Ouais, on récupérait directement le. On récupérait directement le itérateur aussi, enfin le proxy. Je regarde pas le bon. Si c'est bon. Si c'est bon. D'ailleurs, GetGet, j'ai cassé les inputs souris dans Vim. Je suis obligé de me déplacer du coup avec HJKL. Là. C'est un tel plaisir. Ah ouais. C'est rigolo, franchement c'est rigolo, moi j'aime. Autoconst, du coup, check dans un desk, on va dire. Container, obj. Voilà. Du coup, c'est un get qu'il faut faire dessus, hein, c'est ça. Tant que get array. Oui. Du coup, de children name. Faut le typer, hein. Ouais, mais faut typer sur un truc MDF parce que là. Ah oui. MDF, c'est après. Ça, c'est légal. Les majeurs vaccinés. Et en fait, je viens de me rendre compte que base widget, en fait. Il a pas le droit d'avoir de pas avoir de component, mais par contre il peut avoir aucun component. Je vais shot the screen pour que je puisse juger les personnages plus tard, oui. Ah non, maintenant. On a dit on écoute le chat. Oh,
putain. Ouais, il faut suivre la volonté du chat. Super. Alors du coup, il faut que je mette aussi l'entrée... Attendez, deux secondes. Tac, c'est capture 5, ok. Tac. Ceci est un taureau. Je peux faire la description des persos? Ah vas-y. Alors c'est un taureau de type plutôt guerrier parce qu'il a des grosses épaulettes et une ceinture mais qui porte au niveau de la poitrine. J'ai juste de commencer le truc. Attendez, en fait... je suis en train de tester déjà les épaulettes. Le Gat-Gat en fait c'est la version pour les aveugles, les malvoyants. Je fais l'audio description de l'histoire. Et d'ailleurs, alors, putain, il y a un truc. Tu as posté un commentaire. Vous êtes toujours pas fait de bot pour le chat? Double point d'interrogation. Non, parce qu'il s'avère que hier on a streamé, avant-hier on a streamé et en journée on travaille. C'est un peu chaud. J'ai. Merci pour l'audio description. De rien. Non, mais par là, contre, sans déconner, heureusement qu'on a pris Gat-Gat. Hein. Sans déconner, bah, non, parce qu'il fait des épaulettes. Il faut vraiment qu'on trouve là, le truc là, qui fait qu'il y a par exemple le texte là, qui défile là, de ce qu'on est en train de baver pour ceux qui ont des problèmes de... Le closed captioning. Oui. Et tout. Ah, il fait de la nice transcription en direct, audio. Ouais. Ça marche bien ça? Oui, enfin ça passe. Ça marche. Tu vois genre un peu les sous-titres automatiques de YouTube. Ouais. C'est à peu près le même niveau. Non, ça, genre, passe, ça passe. Ça marche pas, c'est ou pas mauvais, mais c'est pas c'est pas exact quoi. C'est approximatif quoi. Ça passe. Surtout que là, avec trois voix différentes, il va péter un câble, machin. Faut pas parler en même temps. Ouais, ouais mais après, c'est mieux que rien, tu vois ce que je veux dire, c'est que je préfère encore. Ah oui, c'est sûr. Oui. Que ça soit pas parfait, qu'il y ait rien en fait, qu'il y ait R. Watashi wa, mon avis des soudains. Du coup, je regarde vite fait pour faire ça. Ça a pas l'air compliqué en vrai. Attends, on va faire le colo parce que ça me dérange de voir le comac. Bah, ça va pas surcharger l'écran, oui et non, enfin. Bah, après, c'est désactivable, hein. Si t'en as pas besoin, tu le mets ouais, pas, je crois. Ouais, oui, c'est ça, c'est que c'est désactivable. Genre, t'en as vraiment pas besoin, tu peux dire non. Et le bot, il fait ah, ok, pardon, excusez-moi. Et vraiment, on ah pousse ouais. Ça. Ah, oui, non, mais d'accord, ok. En fait, il n'y a qu'une seule personne qui pourra le faire. De quoi? Le closed captioning. Parce qu'en fait, c'est sur un autre site. Il faut que tu ailles dessus et que tu dises « je veux l'activer », quoi. Et en gros, quand tu demandes à activer le closed captioning, il dit « Ah, j'ai besoin d'utiliser ton micro ». Ah oui, oui. Non, mais du coup, en gros, c'est sur un autre site et bah... Du coup, ça veut dire qu'il faudrait rediriger la sortie micro et audio des deux autres sur une même sortie pour lui envoyer ça. Et je suis même pas sûr que ce soit possible. Mais un peu de foi, mon enfant. Non, mais ça doit être possible, mais il faut un ingé son, quoi. Mais non, c'est bon. Ouais. On va y arriver. Pas besoin de se mettre dans tous ces étoiles. On peut créer des extensions. Mais... Je vais arrêter de regarder ça. Hein. Je suis censé faire le container. Mais... Yes. Ça commence comme ça, puis c'est comme ça qu'après on live stream le bot qui doit pouvoir faire changer les streams. Plus, ouais. J'ai un passif avec les bots. Je fais des bots inutiles. D'ailleurs, on aura besoin peut-être de faire quelques modifs. Encore, encore. Qu'est-ce qu'il vous faudrait? On parlera après. Je... D'accord. Tu me diras, vous savez que le repo il est open source et tout ça. Hein. Ouais, ouais. Je sais pas si on peut faire des feature requests sur GitHub. C'est possible. Okay. Mais c'est juste, on a parlé vite fait, c'est pas encore hyper définitif. Ça marche.
plus où j'en étais. Voilà. Tout gagné, bravo. On allait itérer sur les. Sur les objets. Du coup, c'est directement. Non, c'est des RHS qui m'envoient. Non, c'est des objects, du coup. Pourquoi je suis des RHS? T'as demandé des objects. Ah, mais parce que je suis un salaud et que j'utilise directement Elements à droite. Ah, ouais, t'as fait du sale. J'étais jeune, ok. Non, j'étais là quand t'as fait ça. Je devais pas être là. Il devait être dans le chat. Du coup, t'as peut-être. T'as dit, oh, dis donc, c'est de la merde. Ou alors, c'est un moment où je regardais pas. J'ai échappé à ma vigilance. Possible aussi. On pourra reformater ça, je pense. Bon, après, c'est pas bien grave. Là, c'est le truc qui devrait pas être ici. Bah oui, non, mais c'est pour ça, en vrai. Enfin, c'est vachement confusant qu'il le soit. Je pense que c'est par souci de facilité pour le. La flemme du parsing et tout ça, mais. Ouais. Pas ouf, du coup. Ça, du coup, ici, on récupère. Des objets directement. Ça, la refacto se fait vite quand même. On peut pas. Ouais, on peut pas dire. Hop là, normalement, ça marche. Ah non, par contre, là ici, j'ai failli me faire avoir. Ah oui. Il va y avoir une erreur de compil inutile. C'est peut-être ça qui aurait fait que ça aurait pas compilé du premier coup, tu vois. Ouais, t'imagines si c'est ça. L'horreur, quoi. La tristesse infinie. C'est sûr que ça compile, mais ça. Ah ouais, mais. Ah, mais le load widget, tu vois, il prend un RHS. Du coup, je fais comment? C'est un object, c'est pas un RHS. Bah, faut qu'il prenne un object. En fait, tu peux passer de RHS à object, mais pas l'inverse. Ouais, en fait, il faudrait que je fasse un load widget et un load widget object. Tu peux. Parce que le RHS, c'est un variant. Et si tu le passes à un pointeur de object, bah, ça fait un RHS. Mais c'est pas hyper ouais, mais autant dissocier load, load widget et load widget object. Comme ça, ici, j'appelle directement le load widget object avec un object, ouais, tu vois. Ouais. C'est tout aussi simple, quoi. Oui. Ce sera plus propre. Donc on va return le load widget object. Ouais, moi j'aurais fait carrément que load widget il prend un object et puis c'est au-dessus que tu gères le. Ça l'appelle. Ça. Ouais, comme. Ouais, mais ce qu'on disait la dernière fois c'est que. Ouais, non, c'est pas. En fait, c'est chiant parce que du coup, genre dans le code appelant. Je regarde comment c'était fait. C'est un peu chiant parce que je crois que normalement ici tu prends juste la route et puis tu l'envoies quoi. Ouais, ok, ouais. Et du coup t'as pas vraiment de code MDF dans le loader. Ouais, ok. Mais t'as les fonctions qui gèrent le MDF, tu vois. Okay. Mais en même temps, bon, je sais pas. Je sais pas, parce qu'en même temps, tu vois, on est obligé de faire des AS et tout ça. Donc... Je sais pas. Non mais on va dissocier les deux puis. Que pour le moment. Locator. Je reviens. Ok, à plus. Bien, très bien. Lâche. J'ai pas dit quand. Mais. Je suis rigolo, hein. Et il ne revint jamais. C'est la légende raconte. Revenu. Ouais. Ce fut rapide. Ouais, je suis déçu un peu, tu vois. Ah merde. Moi ça va. Moi, je il a une arme de taureau. De super loin. Ouais. Ah, en fait, vachement c'est plus mal que tout à l'heure. Hein. C'est un taureau main en fait. Qu'est-ce que tu racontes, Philistin? Il a une jupette de Romain. Ouais, que...
Ah, pour Il a une rappeler jupette les blanche. origines antiques, enfin, bordel. Il était antique avant? Je vais te frapper. Il était peut-être pas antique, mais il était peut-être plein de tics. Toi aussi, je vais te frapper. Alors, tu veux choisir, tu frappes qui entre Hulor et moi? Tu peux être à deux endroits à la fois. Je crois pas. C'est de la distraction. On peut pas frapper les deux. On va devoir créer directement le component tout de suite. C'est en roue libre. Oui. Ouais, mais c'est parce que c'est la fin de la semaine, ça aussi. On est jeudi. Mais alors bah, c'est plus la moitié de la semaine, c'est la fin de la semaine. C'est plus la fin de la semaine que le début, quoi. Okay. Non, on n'est pas fatigué. C'est toi qui es fatigué. Pas fatigué. Ouais. Si on commence à chanter les musiques de camp de vacances, là... On a pas fini. J'en connais, mais c'est interdit au point de son temps. Ah, mais je le reconnais en fait, c'est le mob dans Diablo là. Ah, les vaches du monde des vaches là, le ouais. Portail des vaches. C'est trop bien ce portail. Diablo 3, ils ont annoncé qu'il n'y aurait pas de niveau des vaches. Effectivement, il n'y en avait pas, mais il y a un niveau de licorne, quoi. Ouais, il y a le niveau Rainbow, là. Où c'est un délire total, le machin. Mais un peu déçu, quand même, qu'il n'y ait pas le niveau des vaches. Parce que bon, le niveau des vaches, c'est quand même culte, quoi. En plus, je crois que c'est le même principe, un peu, pour débloquer. C'est... Enfin, je crois que le truc de Rainbow, c'est beaucoup plus avec de la chance, je crois. Non, je crois pas. Il faut aller à un endroit, faire certains trucs et tout ça. Puis... Ouais, mais je crois que c'est assez... Normalement, il se tourne. Alors que le niveau des vaches, il fallait une jambe en bois, quoi. Bah, je parlais de Carteigne. Je crois. Choper sa jambe. Il fallait le sauver, il fallait aller, à, je crois, battre un boss qui, du coup, lootait la jambe de bois de je sais plus qui. Ah, et ouais. Après, il fallait le Cuboradrim pour mélanger la jambe de bois avec je sais plus quoi, des parchemins, je crois. Des parchemins de portail. Ouais. Et puis ça donnait un parchemin de portail pour le monde des vaches. Si je me souviens bien, c'était à peu près ça le délire. Quoi. Ouais, c'était dans ces deux-là. Pour le 2, après pour Diablo 1, je sais plus. C'est trop vieux. J'avais joué à Diablo 1 vite fait, mais j'étais pas allé très loin. Ils ont fait le remake du 1, non? Je crois, ouais. Je sais pas si ça vaut le coup. À l'époque où il sortait, ça valait pas trop le coup, je crois. Il coûtait cher pour ce que c'était. Je vais regarder. On peut toujours télécharger le vieux, en tout cas. Ouais, parce qu'il y avait eu polémique là-dessus. Il voulait virer l'ancien et mettre que le remake et ça avait gueulé dans toutes les chaumières là. Ouais, on va virer l'ancien. Ah, c'est Diablo Respawn, il s'appelle. Respawn. Ah non, c'est bien qu'on refait juste le trailer de Diablo. C'était bien, Diablo 2, c'était le meilleur. Ouais, c'est celui sur lequel j'ai passé le plus de temps, je crois. Après, c'est question générationnelle aussi, je pense. Ouais. On est fait un bootcamp.
campe avec mes colocs à la fac. Ah, pendant une semaine, on n'était pas allé à la fac, on avait que joué à Diablo 2. Bravo. On était allé assez loin, je crois. T'as joué au 3 aussi ou pas du tout? Ouais, je joue au 3, mais moins. Pas accroché? Si, mais c'est sympa, j'ai quand même fait, je crois, les 3 niveaux de difficulté, mais. Il y en a bien plus que 3, malheureux. J'avais arrêté au bout d'un moment. Parce que je crois que t'as genre facile, normal, difficile, puis après t'as infernal, infernal 2, infernal 3, tourment 1, tourment 2, tourment 3. Ouais, ça partait très tôt. Ça part complètement sucette après. J'ai dû faire que les 3 premiers, je crois. Mais après, c'est rigolo parce qu'ils ont, bien mis en place le truc de saison. Ouais. Bon, ça te donne des récompenses un peu débiles, mais c'est rigolo. Puis surtout, quand tu fais des saisons à hardcore, c'est marrant, quoi. Ouais. Tu te fais un perso, il est uniquement dédié à cette saison-là, et s'il meurt, il meurt, quoi. Ça, c'est rigolo. Ouais. Après, je crois que Diablo 3, c'est le jeu, genre, je l'installe et j'y joue une fois tous les 2 ans. Et pendant 2 semaines, je suis à fond dessus, puis après, je le relance. Ouais, c'est ça. Du coup. Les optionals, ça se comporte comme des pointeurs, hein. Faut les comparer à nul, PTR. Non, justement. C'est NLC nul. C'est NLC nul. C'est unique PTR qui se comporte comme des pointeurs. Non. Parce que dans le nom, il y a PTR. PTR. PT de LOL. du coup, si. N'est pas. NLC nul. Non, mais l'autre widget object, ça te renvoie pas. Ah, ça te renvoie optionnel. Ouais, ah ouais, non, mais c'est pour ça que j'ai revérifié le container, il prend pas des optionnels, donc obligé de vérifier qu'il est pas nul. Oui. Heureusement, en vrai, parce que ça a pas de sens de garder des nuls. Ah, c'est une fois que t'as chargé tes trucs, c'est censé être validé. Après, je me suis posé la question de est-ce qu'on peut tomber dans une récursion infinie. Bah, vu que les datas sont pas infinies, c'était bien codé. Ah, c'est ce que je me disais. Après, est-ce que tu peux dire je référence tel objet que j'ai déclaré plus haut. Non, ça peut être référencer l'objet en dessous, un truc comme normalement, ça peut être à la compilation MDF, ça. Si t'as des références infinies dans le MDF. Oh bah cool. C'est déjà ça à ne pas gérer. Parce que là, j'étais en train de me dire, putain, ça va être chiant à gérer ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Du coup, NLC nul. C'est pas nul, on l'ajoute dans les children. C'est un get sur les optional? Non, il faut le déréférencer. Parce que c'est pas un pointeur. Quoi? Non, ça c'est le truc qui est pourri dans. On change optional pour mettre un get parce que ça va pas du tout. Bah, c'est vrai que sur un optional, tu t'attends plus à un get qu'un déréférencement. Voilà. Les uniques PTR, bon, il y a PTR dedans, donc que ça se comporte comme un pointeur, oui. Oui, sauf que ça se comporte pas comme un pointeur, du coup. Les PTR, les uniques PTR, faut faire un get. Sérieux? Donc, il y a un petit... Il y a eu un micmac entre les deux interfaces, quoi. Bah ouais, dommage. Les deux n'ont pas été sur en même temps, et puis il y a eu des débats sur les deux, mais enfin séparément. Du coup, c'était pas les mêmes arguments qui sont restés, quoi. Ouais, voilà, et puis c'était pas au même moment, du coup il y avait pas les mêmes personnes qui faisaient le débat. Enfin, c'est pas... Faut qu'on fasse de l'uniformisation un peu d'interface, parce que. Ouais, tu vois le truc trop cool qu'on peut faire là. Maintenant qu'on a dissocié le load object de. Enfin, le load widget et le load widget object. Bon, déjà, il y a un truc qui s'est mal passé, il s'appelle tous les deux load widget. C'est compilé. Non, c'est un petit truc qui est rigolo à faire. On va pouvoir prendre ça. Et mettre en dessous du load object. Comme ça, on n'a pas à forward déclare la fonction. Ah oui. Et tu peux en mettre, il y en a que tu vas pouvoir mettre en statique aussi, je pense. Bah ceux-là en fait tous hein. Celui-là est statique. Il y a juste l'autre, le widget sans widget. Object où là je pourrais pas le statifier. Mais statifier c'est un terme technique. Comment? C'est bien parce que du coup tu auras juste une fonction dans ton header. Ouais, c'est le header à une fonction. En vrai on a beaucoup ça, des trucs
trucs de des libs de debug ou des trucs comme ça, t'as juste un point d'entrée qui est genre tu vois le debug de ta lib. C'est atomique quoi. Ouais c'est ça. C'est mieux quand l'interface est simple. Et puis au moins comme ça t'es sûr qu'il y a personne qui vient utiliser tes fonctions sans être dans un contexte bien précis que tu maîtrises. Exactement. Par contre du coup je l'ai mise dans quoi celle-là? Source UI. Ah, un pigeon. Dans ouais, un Wakasi guerrier. Ah quoi? Pigeon guerrier. Un Wakasi guerrier. Wakasi. Yes. Winters. Le terme. C'est grâce. Les hommes piaf, oui, ça, eux c'est les hommes piaf. Enfin, disons que c'est plus compliqué que ça. Ah, toujours plus compliqué que ça. Oui, toujours. Il y a du lore qu'on a déjà expliqué. D'ailleurs, t'étais là, tu m'as même posé la question. Ouais, c'est quoi le lore? Je suis déçu parce que ce script, tu m'as pas dit le tout faux membre et tout. C'est vrai qu'on avait dit que c'était pour 5 streams. Ouais. De quoi? Tu présentais GetGat. Ah oui. Oui, à ce propos. Alors, à ce propos. Il est perdu. Il est perdu. Oui, alors attends. Non mais stop. Non mais donc les Wakasi, c'est quoi le lore? Ah bah, d'accord, ok. Bon, donc on s'en fout, c'est ça. Donc pas un petit. Non, pas mais c'est bon, présentation ni rien du tout. D'accord. Non. C'est moche. Alors en gros. En fait, c'est une des races les plus. Enfin, qui a été découverte récemment. Je dis bien découverte. Ah, ils étaient cachés. Oui. Mais en fait, ils sont pas nés comme ça. Ah. Parce que, en gros, on va dire, quand les races sur cette planète en fait a commencé à faire des grosses civilisations et tout ça, à se spécialiser dans toutes les formes d'art, de science ou de maîtrise, tu vois, possible, et bah à un moment donné, alors la légende raconte qu'en gros bah les dieux ont fait stylé, en fait on a une élite qui est en dessous, qui va juste leurs talents vont s'éteindre quoi, donc du coup on va pas réussir à les garder. Parce que les civilisations, ça va, ça vient, bref, c'est la merde. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur proposer une autre vie, mais c'est pas la mort. Genre, justement, en gros, tu sais, ils ont commencé à créer des cités qui flottaient au-dessus des nuages et tout ça, qui étaient cachées, on va dire, pour le reste de la population d'en bas. Et en gros, dès qu'il y avait quelqu'un qui commençait à être un maître ou une maître, tu vois, genre, bref, quelqu'un de hyper stylé dans son domaine, ce qu'ils faisaient, c'est qu'en gros, t'as les Wakasi, enfin les mecs qui sont devenus comme ça, en gros qui chopent un gars en bas ou une nana, on s'en fout, de n'importe quelle espèce, on s'en bat les couilles, le remonte en haut, lui montre en fait la cité comme quoi bah technologiquement c'est oufissime, ils ont toutes les tu vois, il y a vraiment un truc de malade en termes de développement personnel et tout ça, tout le monde est focus ouais. En fait sur son travail, en gros il continue ce qu'il faisait sur la Terre en final, et si jamais ils veulent changer un peu, tu sais par exemple, imaginons tu vois t'étais scientifique, genre t'étais intéressé par tout ce qui était on va dire un peu la fabrication tu vois, de n'importe quel métaux ou quoi que ce soit, et que bref, que depuis que t'es Wakasi en fait tu t'intéresses plus maintenant à la médecine, bah du coup tu peux changer, c'est pas grave ça, tu vois. Du moment que t'es là en gros pour continuer à transmettre ton savoir, on va dire, au nouveau Wakasi ou quoi qui arrive, et en gros c'est là où ils lui posent la question à la personne qu'ils ont enlevé comme ça, qu'ils ont abduqué. Et ils lui demandent bah écoute, est-ce que tu veux devenir l'un des nôtres? Comme ça, en gros, ta vie, elle est boosted. Genre, tu deviens immortel. Donc, c'est-à-dire que tu peux pas mourir de vieillesse ou, tu vois, genre de maladie. Il faut ouais, que comme les elfes du Seigneur des Anneaux. Ouais, on va dire. Oui, en vrai, oui. Mais, par contre, tu peux pas retourner en bas. Parce que ce qui se passe, c'est qu'en fait, normalement, nous, on se prépare en haut, là. D'accord? Pour que, si jamais un jour, y ait vraiment un moment donné où il faut qu'on descende pour apporter, on va dire, un peu plus de paix, de cohésion et tout ça, on va le faire. Mais c'est pas maintenant, tu vois. Donc du coup, on ne sait pas quand est-ce que ça va se passer. Est-ce que tu acceptes? Si tu acceptes, ça veut dire qu'en gros, tu vas te transformer comme nous, en fait. Tu vas devenir une personne piaf. D'accord. Et on ne peut pas se reproduire, parce que c'est pas comme ça que ça marche, tu vois. Bah, si tu es immortel et que tu te reproduis, ça va causer des problèmes, quoi. Oui, parce que sinon, après, en fait, tu fais juste une civilisation avec des immortels. Bon, bref, boum, la surpeuple, problème et tout ça, donc du coup ça vient à la merde. Donc du coup, si tu veux, ils peuvent pas se reproduire. Donc si la personne accepte, ok, banco,
Tu vois, elle se Alors, transforme en Wakasi. question, ils peuvent pas se reproduire, mais est-ce qu'ils peuvent quand même faire du sexe? Oui, s'ils veulent, on s'en fout. Ah, sinon c'est triste. Oui, sinon, envie de dire, bon, oui, s'ils veulent, oui. Je veux dire, il y a bien des personnes qui peuvent pas se Ils ont quand même. reproduire et qui aiment bien le faire quand même, hein, tu sais, donc Ça, mais soit. c'est la question, c'est est-ce qu'ils ont des organes génitaux ou pas, tu vois? Oui, parce qu'en fait, si tu veux, la transformation physique, elle n'est pas non plus totale. Tu vois? Ah. C'est-à-dire que elle est complète, c'est-à-dire qu'en gros, tu te transformes vraiment comme une personne aviaire, quoi. T'as des ailes. Là, ils l'ont plus. Et c'est important, ça va venir après. En gros, normalement, ils ont des ailes. Du coup, ils peuvent voler et tout, donc du coup, c'est stylé, c'est LOL, MDR. Mais ça transforme juste la chose, la personne, juste pour qu'elle puisse vivre plus longtemps. Et visiblement, c'est avec une gueule de oiseau, quoi. D'accord. D'accord? Alors, par contre, important, ils ont été découverts. Parce qu'en gros, ce qui s'est passé, c'est que pendant l'histoire des Wakasi, à un moment donné, ils ont essayé d'apporter, on va dire, la connaissance petit à petit à des civilisations anciennes, tu vois. Sauf que le problème qui s'est passé, bah, c'est qu'en fait, ça a foutu la merde. Plus qu'autre chose. Parce que du coup, t'as une civilisation qui était favorisée, parce que du coup, elle avait des enseignements de Wakasi qui descendaient de temps en temps pour leur donner des enseignements dans tout, sauf qu'ils l'utilisaient pour en faire des armes ou pour avoir un levier politique, tu vois, des trucs comme ça. Parce qu'eux, ils voulaient pas se mettre dans le commerce, on va dire, et des trucs comme ça, tu vois. Parce que eux, ça les intéresse pas, les Wakasi. Clairement, ça les intéresse pas, le commerce, à la base. Et si tu veux, Des gens bien. bah. Quoi? Des gens bien, c'est ça. Oui, en gros. Et donc en gros, ce qui s'est passé, c'est que bah ils se sont dit bah non bah écoutez c'est la merde du coup non en fait on a foutu plus la merde qu'autre chose donc on se casse en fait. On plie nos bagages, on dit au revoir les copains et on se casse. On arrête. Et au bout d'un moment donné, on va devenir une légende qui va pas être transmise parce que c'est trop vieux. Et ou sinon on va nous incorporer dans des mythes et c'est ok tu vois on s'en fout mais il faut qu'on arrête de tu vois parce qu'en plus de ça ils sont mortels. On se rend même pas compte en fait au final du temps qui passe. Donc on va voir un pays, on se rend même pas compte qu'en gros il s'est passé peut-être 30 ans. Le gars avec qui enfin avec le roi ou la reine, on s'en fout, avec qui on parlait, bah il est plus là, il est cané, et puis c'est quelqu'un d'autre qu'on connaît app. Et en fait des fois c'était pas des gens qui étaient vraiment dans le partage ou quoi que ce soit. Donc du coup ils ont arrêté. Là récemment, en fait, là où ça a foutu le bordel dans cet univers-là, ça c'est une autre histoire. En gros, t'as les dieux, on va dire, pour être plus simple, qui commence à leur dire, bon ok, maintenant c'est la merde en bas, tout le monde se fout sur la gueule, il y a des trucs qui se réveillent, qui ne devaient pas se réveiller, la magie va dans tous les sens, là il commence à avoir de plus en plus d'utilisateurs de magie, donc plus en plus de mages et tout ça, alors que normalement avant c'était très rare, maintenant ça devient n'importe quoi, il y a des empires qui sont effondrés, des royaumes qui se sont fait raser, enfin bref, il y a des trucs qui se relèvent et tout ça, on ne sait Oh, pas. ça va, Et on s'amuse. en gros, ils ont commencé à dire, maintenant c'est le moment, il va falloir que vous alliez en bas et que vous alliez apporter la paix, quoi, en gros. Que vous alliez essayer de. Bah, les Wakasi ont dit non. Bah les couilles, C'est frère. pas passé auprès des dieux. Voilà. Bah les dieux, t'as dieu de la magie, celui qui faisait voler les cités, a fait ah ouais! Il a Si elle coupé le. vole plus, qu'est-ce que tu vas faire, sale C'est piaf? ça. Du coup, il a coupé le courant. T'as les autres dieux, en gros, qui leur ont pris leurs ailes. Du coup, t'as des cités, t'as des chutes de cités technologiques avancées, tu vois, qui ont commencé à pleuvoir du ciel. D'accord? Et ils sont écrasés par terre. Du coup, il y en a pas mal qui sont morts, mais ceux qui ont survécu, en gros, ils avaient plus leurs ailes. Ils ont oublié la technologie qu'ils avaient appris. Ils Parce que n'avaient plus leurs ailes. ils avaient plus leurs ailes. Et en fait, Ils quand ont été leurs. privés d'elle. La technologie aussi, la connaissance de leur technologie a disparu aussi. Par contre, c'est encore là. Donc, du coup, ce qui fait qu'il y a pas mal de chercheurs de trésors ou d'artefacts en gros qui essaient de rechercher les cités Wakasi parce que du coup les cités Wakasi ils avaient quand même un espèce une espèce de magie qui pouvait les cacher en fait si tu veux les faire confondre par des montagnes ou pour d'autres trucs c'est par des gros nuages et tout ça bah en gros si tu veux il y a des cités qui sont encore là que personne ne sait où ils sont mais qui sont cachées magiquement on va dire un peu partout donc du coup il y en a qui recherchent ça excessivement en fait activement parce que du coup ça fait des artefacts de monstres en fait. Donc du coup, tout le monde recherche les cités Wakasi en ce moment. Les Wakasi qui sont encore en vie, alors ça a passé vraiment, ils ont galéré à se faire accepter en fait par les autres races. Parce que du coup, les races ont pensé au début que c'était des démons qui faisaient des chutes de nécropole et tout. Donc du coup, ils ont commencé à baliser. En fait, quand ils se sont rendus compte que c'était pas le cas, ils ont commencé à être tiqués de ouf parce que par contre, maintenant, les Wakasi détestent les dieux.
Il les hait. Mais vraiment. De ouf. Par contre, ils sont pas cons, ils sont pas dupes, ils sont pas allés du côté obscur de la force de l'MDR avec les démons parce que voilà, il faut qu'on emmerde les dieux. Non, non, parce qu'ils savent très bien que les démons, eux, ce sera pire. Tu vois, ce sera leurs âmes carrément, tu vois, qui seront tourmentées et tout ça. Donc du coup, ils ont fait non, non, mais on n'est pas cons à ce point-là. Par contre, maintenant, ils ont le seum. Ils ont le seum. Donc ça, c'est l'histoire des Wakasi. D'accord. Alors moi j'ai une question. Tu as dit qu'il y avait des élites à un moment et qui étaient dans les airs. Est-ce qu'ils avaient des treuils pour les faire monter? Est-ce que c'était des élites treuillées? Ok. Tu voudrais Non, que je je te peux. tue comme ça? Comment en fait? Il a un pont, Voilà. tu sais Exact. qu'il va dire de la merde. Oui, Tu le sais. tu le sais, tu me vois arriver, tu Tu sais sais que qu'il va j'ai arriver. attendu un quart d'heure d'explication où j'ai pas écouté pour sortir cette blague. Ah bon? Bah tu sais quoi? Merde! En vrai, j'ai écouté un peu, mais il y a l'autre qui arrive pas à compiler. Alors, c'est compliqué, tu vois. Ah bon, bah passons sur la Ah, mais compilation. j'ai compris l'histoire. Ouais, on me la fait pas, moi. Tu veux que je te le raconte? Je peux le S'il y aura raconter. plein d'erreurs et tout. Bon, en tout cas, pour une partie qui a déjà été jouée, Hulor, toi, t'as déjà joué, toi, une partie où il y avait, où vous aviez été dans une cité Wakasi, non? J'ai pas été dans une cité, mais j'ai vu un Wakasi. Ah ouais. Parce que les cités, il y en a encore qui tiennent en l'air? Non, non, ils avaient trouvé une cité à un moment Ah, donné. genre par terre, quoi. Bah, en fait, en gros, ils ont. Éclaté. En fait, si tu veux l'histoire, dans le JDR, à un moment donné, ils avaient une mission où, en gros, genre, ils devaient aller quelque part. Et parce qu'en gros, on leur disait, ouais, il y a un truc qui colle pas, en fait. Selon la carte, il devrait pas avoir une montagne là. Tu vois? Et c'est con, parce que du coup, il y avait des troupes qui devaient passer par ce qui, normalement, devait être une plaine. Pour rejoindre en fait si tu veux l'autre partie des troupes pour bah, en gros pour faire la pancarte. Ouais. Et en gros ce qui s'est passé c'est que du coup ils ont dépêché des aventuriers tu vois donc c'est-à-dire le groupe de cette partie-là d'aller voir en fait de quoi ils retournent tu vois peut-être parler à la bibliothèque et tout. Et en fait si tu veux quand ils sont allés dans le village tout le monde disait non mais elle était toujours là la montagne oh là là depuis que je m'en souviens mon pépé voilà, il me dit qu'elle a toujours été là moi je le crois hein. Moi depuis que je suis là elle est là machin et tout. Et en fait ils ont creusé. Et en fait, c'était une cité Wakasi qui avait encore assez de jus pour mettre un sort d'illusion sur la population pour leur faire croire qu'en gros, elle a toujours été là. Parce que personne ne parlait que, oui, mes ancêtres, enfin, tu sais, mon arrière-arrière-grand-père me parlait de cette montagne qu'en gros, il avait escaladé quand il était plus jeune ou quoi. Non, non, il n'y a personne qui avait ce genre de souvenir, en fait. Donc, du coup, ça a mis un peu la puce à l'oreille et tout ça. Ils ont réussi à creuser une partie, en fait, qui était juste une paroi de la cité. Ils sont rentrés dedans et ça a été le bordel total. Ça a été le bordel total. Mais c'était marrant. Parce qu'une fois à D'accord. l'intérieur, il y a eu pas mal de combats. Mais en tout cas, technologie avancée, hein, donc on parle d'hologramme et tout le bordel. Hein. C'est un peu les Aztèques. Oula, je vais te taper. Le terrain glissant. Je vais te taper. Au moins, il nous a pas sorti le classique les pharaons, les pyramides, tout ça. Ben oui, mais c'est les mêmes pyramides qu'ils ont fait, les Aztèques et les pharaons. Est-ce qu'il n'y a pas une coïncidence? Moi, je Non, pense que c'est une c'est des aliens. ziggourate. C'est une ziggourate. Bah, ça n'a rien à voir. Une ziggourate. Oui. C'est pareil. C'est toi qui appelles ça différemment. Non, une ziggourate et une pyramide, c'est différent. C'est de la même famille, mais c'est différent quand même. Je pense que c'est un peu en lien avec le fait que d'empiler des trucs en forme de triangle, ben c'est vachement stable. Oui, mais Voilà. c'est le principe d'une ziggourate. Je vais te buter. Peux pas, t'es trop loin. Perché. Ne sous-estime pas la puissance de mon vélo infâme. Tu sais pas où j'habite. Chérie. Je suis protégé. Protégé jusqu'à quand? Petit Jusqu'à ce que je enculé. trouve ma porte. C'est pas demain la veille. Voilà, t'as niqué l'ambiance. Bravo. Oh, bravo. Maintenant c'est ma faute. En plus, c'est tout pété. Comment ça c'est tout pété? Ça compile plus. Ah, ouais, ok, le réinterprète En suffit. plus, le réinterprète, il fait n'importe quoi, un hein, get-get. Tu mets Non, grave mon thème. c'est que tu l'utilises mal. En fait, si je mets la référence comme tu m'as dit, il me fait ouais, mais t'as pas le droit de faire une référence sur une alvalue. Ouais, mais peut-être que. Ouais, ok. Peut-être que la référence dans ce cas-là, c'est pas une bonne idée.
Exactement. Et après, si je lui dis bah pas une référence, il me fait mais je peux pas non, convertir mais ça. faut être un pointeur. T'es obligé de lire un podcast, faut un pointeur et une référence. Ouais, voilà, Un donc c'est pointeur, un et du coup, pointeur. il faut que tu prennes un. Tu mettes un et des références du begin, je pense, pour faire un pointeur sur la première valeur du Mais le begin. begin, il me renvoie un itérateur. Du coup, il faut que je Tu vois, déréférence l'itérateur les 10, c'est un pour float. utiliser l'adresse de. Il te dit que le t, c'est un float là. Du coup, si tu veux prendre un pointeur sur le Ouais, c'est float. ça, donc il faut que je prenne l'adresse du déréférencement Ouais. de l'itérateur. C'est beau. Tout ça pour faire un interprète cast à l'arrache, là. En vrai, tu peux le faire après Et il avec aime pas, Copain. hein. Qu'est-ce qui se passe? Putain, c'est légal, ça, non? Parce qu'il te renvoie le float en copie, je Ah pense. non, mais attends, mais le begin, on a dit qu'il envoyait le pointeur sur. Je suis pas sûr en fait de ce qui se passe avec le begin. Attends. On va tenter, ce qui me semble que on avait dit que le begin. En fait, il renvoie le begin d'un Vecteur, vecteur. Et le parce qu'il y a un begin d'un point. vecteur, c'est un pointeur sur le type. Ouais. Donc en fait, si je lui envoie juste ça, il devrait Ah pas oui. m'emmerder, en fait. Il y a juste rien à faire dessus, en fait. Bon, là, après, il dit, oh là là. Non. Il dit que c'est un itérateur. Mais C'est un bordel. MD fermé, itérateur. Attends, je vais aller voir le code. J'ai halluciné sur le. Arrêt. Tac, tac, tac. Alors, attends, déjà, on le fait sur quoi? Il Color y a... Elements. Elements, du coup, c'est un proxy. Le proxy, quand on lui dit begin, il dit array underscore elements begin. Array underscore elements begin, c'est. Ah, attends. Non, ça renvoie un hit. Oui, mais le array, c'est. Ça Array. renvoie, ça le cast en hit, qui est un itérateur de. C'est la classe itérateur de array. Ah, oui, c'est le cast. Et en fait, ça crée ça. Et en fait, quand ça crée ça, du coup, quand tu le déréférences, il fait un unwrap. Et du coup, en fait, il va créer un float et le renvoyer en copie, et non pas en pointeur. Du Et coup, du coup, c'est tu pas peux pas. possible. Ouais. Choqué, déçu. Ah, la tristesse. Bon, du coup, on va faire color égale Ouais. color elements chez 0. Color elements 1. Triste. Je suis tristesse. Ça aurait été stylé, mais. Bon, après, c'est un peu sale quand Me suis mal démerdé. même. Pourtant, j'ai rien. J'ai T'as rien lâché. tenté un jutsu secret qui a lamentablement échoué, quoi. Exactement. Alors là, par contre, ouais, il me fait chier. Alors là, ligne 30. Là, il me dit, c'est pas NLC nul. Non, c'est un optional. C'est un unique. Du coup, Oui. c'est nul PTR, c'est pas. Ça, c'est Mais de la j'avais photocopie bon, du collée. coup. Ça, c'est le Non, non, copier mais parce que ceux-là, je les ai changés après les erreurs de compile. Parce qu'il me disait, ah ouais, t'as pas le droit de mettre nul PTR ici. Alors, je suis pas certain. Tu peux construire un unique PTR avec juste nul PTR, tu vois. Ah, c'est peut-être ça qu'il me disait du coup. Je regarde. Parce que tu vois, il me dit, ah, cannot convert nul PTR to unique PTR, machin truc. Ah, sérieux, on peut pas. Et comment du coup? En fait, le unique PTR, il peut pas être nul. L'envoyer nul, mais il faut quand même passer un allocateur. Ça, c'est pourri. C'est un peu con, hein, de Bah ouais. mettre un allocateur sur nul. Je trouve que l'allocateur en interne il est stocké en pointeur, donc tu pourrais très bien le mettre à nul, tu vois. Alors, ok, je le note. Du coup, faut quand même faire un mec unique. Non, tu peux juste faire un LC unique PTR et tu le passes Et du allocateteur. coup, switch Allocateur unique component. Attends, et la PTR. valeur, c'est en deuxième paramètre? Ouais. Normalement, ça passe. Ça c'est pas très joujou. Ah, c'est pas. Peut pas convertir initial list ou Il est pas tu apprécié. m'as menti?
Tu m'aurais menti? Ah mais non, t'as un constructeur où tu le renvoies juste. Tu mets pas d'argument dans le constructeur. Constructeur par défaut, ça te fait un truc nul. Ok, ça a l'air d'être bon. Ça va, t'as pas trop d'erreurs? Chill. Déjà, on va virer celle-là direct. Ouais. Hop. Ah, mais c'est moche quoi, qu'on puisse pas mettre nul PTR. Bah, j'avoue que la conversion nul PTR, c'est un peu dommage quoi. Ça se fait très vite en plus. Je le fais en live. Incroyable. Mais du coup, tu l'auras pas. Mais... L'autre container n'est pas. Déclaré dans 94. Ah bah non, mais je peux pas du coup. Oh, fais chier. Quoi? Le truc de. Pour pas avoir de. À forward déclare le load widget object. Parce qu'en fait, c'est le load widget object qui a besoin de du container. Et du coup, je suis obligé de l'avoir quelque part. Ah putain, ouais, t'as des. Ouais. Vu que t'as des trucs qui bouclent, c'est... Après, je peux quand même juste le forward dans le fichier, et puis voilà, quoi. Non ? Oui, non, oui, non, si je fais... Si, ouais, juste dans le fichier, ça suffit. Complètement. On va pas l'exposer. Comme ça, au moins, personne n'a le droit d'aller le voir. Ah, je sais pourquoi il n'est pas fait, le constructeur, avec un nul PTR, parce que nul PTRT, ça demande d'inclure CSTDDEF. C'est juste parce qu'il y avait une include. Ouais, ça interdit d'inclure des. Ah, mais si, il est déjà inclus. Mais lol. Qu'est-ce qu'on attend? Après, ça s'est peut-être fait en deux temps, du coup. Ouais, je sais pas. Tac, tac. Non-standard extension used, redefined extension. Static. Alors, ça, du coup, j'ai pas le droit de la définir statique parce qu'elle a été forward declared. Ouais, une fois que c'est forward declared, c'est plus statique. Mais si tu le forward. Même si c'est au sein du même fichier, quoi. C'est dommage. Ou alors pour la forward declared statique, mais je pense pas que ça marche. Ouais, tu vas me dire, je l'ai peut-être fait. Hein. Ah non. Ouais, non, je l'ai pas fait quand. Je suis fou, je suis pas taré. Euh. 119, on a quoi? Ça, c'est pas légal. Il y a une colonne en trop là, non? J'ai l'impression qu'il y a des aides couleurs dans le temps. Ouais, comme ça, ça m'a l'air mieux. Ouais, c'était ça. 134. Vie ma vie de développeur. Ouais, ça, c'est le moment où on a essayé de comparer directement avec la string view. Je m'en souviens de ça. Il a dit, est-ce que ça marche, lol? Apparemment, ça marche pas. Est-ce que j'ai un autre sample? On n'avait pas fait ça justement. Je retrouve. Mais... Les méthodes compare. Parce qu'il n'y a pas d'opérateur égal. Faisait une string view de la paire en fait. T'as une méthode pour comparer quand même ? Il y a une méthode qui est NLC. Compare et tu lui passes deux string view. Donc si tu lui passes ton. Faire étoile. Si j'ai deux string view, je peux comparer les deux string view en fait. Ouais, ouais. Non, c'est ça le truc. Dans ta map, ouais, dans ta paire, c'est un char étoile, c'est pas un char crochet. Ouais. Mais c'est pour ça, là, sur l'autre code, on faisait déjà un. Ouais, tu crées la string view pour pouvoir la comparer. Du coup, c'est quoi? C'est widget type? Non, c'est component. First. Ça a pas marché. Quoi?
c'est pas ce string you from ce string. Ah oui, oui. String you from ce string. Ah tu vois maintenant qu'il compile, il me sort genre les trucs de NLC String View tout seul tu vois. Il est plus teubé comme compléteur. Ouais. Ouais donc là c'est ce que c'est un unique PTR. Unique Peter, t'as pas le droit de le comparer à nul. Et voilà, encore une connerie. Non, c'est vrai, tu peux pas. C'est possible, hein. Du coup, faire point get et tu compares avec nul. Mais ça, il faudrait que ça y soit, tu vois. Je sais pas si c'est ce qu'il est auto ou quoi, mais non, bah, ça a l'air d'être passé, quoi. C'est tristesse. Attempting to reference utility function. Compiler a generated BuzzWidget, BuzzWidget here. BuzzWidget a été implicitement delete parce que user defined constructor. Widget, là. C'est quoi ça? T'as fait une copie au lieu de faire un move? Où ça? Je sais pas. Ah, ça doit être dans le container. Ah oui, faire widget.extract. Si tu veux move le contenu dans optional, tu fais point .extract et ça te renvoie en rvalue le contenu. Parfait ça. Franchement, il n'y avait pas tant d'erreurs que ça. Hein. En vrai, ça va. Hein. Pour tout un fichier rédigé, honnête. Non, faut... Attention, parce que maintenant, il faut corriger les erreurs de compil MDF. Que tu as déjà loadé en fait le. Ah oui, t'as pas fait le truc, il va chercher le fichier. Mais TKT, ça c'est plus simple ça. Ça c'est easy, ça tu sais faire facile. Putain, un compléteur qui marche, c'est quand même vachement ouf. Satisfaction, t'en retires quoi. Ce qu'il raconte. Ah, voilà. Oh, c'est pas un animal le prochain personnage. Est-ce que du coup je fais directement une fonction pour ça? Bon, vas-y. Auto. Ça me renvoie un NLC optional de widget. Hein. Donc là. Ouais, vous me disiez, il n'y a pas de système de. D'encore ou quoi que ce soit. Il y en a pour les sprites, mais t'en es pas là, je crois. Pour le MDF, de manière générale. Ah, d'encore, comment ça? Je sais plus comment ça s'appelait. De dossier virtuel. Les... Ouais, les. Disque virtuel. Non, pas du tout. Comment on appelait ça déjà à l'époque? Je sais plus, j'ai un trou là. Ah, les mounting points. Oh. C'est des mounting points.
C'était quand même vachement bien pratique ce truc. Putain, pour virtualiser la disposition des datas, c'était. Ouais, c'était. Ouais. Après, l'implème était relativement bête et méchante, mais tellement qualitative. Donc, on a dit data 8 menu. Menu. Et le fichier en question, c'est. Je vais passer aux toilettes quand tu fais ça. Menu. Ça marche. MDM. Heureux. J'avais pas vu le chat. Hmm? C'est vraiment que j'avais pas lu le chat. Comme je regarde le stream sur Discord. Et du coup, merci Seninja de soutenir mes questions utiles. Je sais pas à quand ça remonte, mais. Là, quand t'as demandé si tu posais des questions sur le lore. Ah, il y a Wakasi. Voilà. T'expliques pas assez, c'est pour ça. Ok, super. Alors que nous, dans le code, tout est clair. Je suis sûr. C'est clair comme le Roll Ranch là, ce qu'on fait. Yes, super. On peut read and compile un fichier simple ou alors il faut forcément que ce soit un span? Non, t'inquiète. Quand il y a un span, tu peux passer un truc, un élément simple et ça te crée un span de un élément dessus. De manière totalement transparente. Et ça, c'est beau. Je sais pas pourquoi il te met allocator comme un mot-clé. Ouais, c'est bizarre. Après, il te met optional aussi, donc peut-être il y a des classes. Peut-être que allocator, c'est un truc de STD, tu vois. Bah, je pense que ça doit être des trucs de STD, du coup, ils sont rentrés dans le. Ouais, STD allocator, ça existe. Optionnel, c'est pareil. Oui, optionnel, ouais. Je pense que ça vient de là. Hein. Ah. La machine du plus où le langage se mélange avec la STL. Les optionnels sont nuls, c'est nul. Hein. Ouais. On a dit.
Ouais, tu vois, c'est ça qui est un peu chiant, c'est qu'il y a quand même cette partie-là à faire dans le loader, tu vois. C'est un peu le truc qui m'emmerde. Bah après, tu peux te faire une fonction qui fait ce truc. Vectorize. Ah mais non, ce truc-là, là. Tu voudrais l'intégrer dans... Après, ce que j'avais fait pour un des jeux, c'est que... En gros, j'avais une structure. J'avais une fonction en fait qui faisait du loading général, qui allait charger tous les données MDF. Et qui mettait certains objets dans une structure à la fin, tu vois, certains routes dans une structure, et après les loaders spécifiques allaient piocher là-dedans et faire leur parsing après. On va la voir comme ça. Et ouais, pour le coup, je trouvais ça pas mal. Widget. Sauf que ça, on s'en fout, on peut le return directement. Donc là, normalement, on a le menu loader, quoi. Ok, donc maintenant à la place du pavé dégueulasse, la magie de la science va vouloir que on ait c'est optional. Efface pas tout quoi. Tout. Base widget. Route menu, hein, parce que en vrai, on va peut-être garder le route container comme on avait dit. Donc là, c'est load menu. Hein. Comment je l'ai appelé? Putain, j'en reviens. Main menu load. Main menu load. Là, du coup, il faut un allocateur juste. Juste le ouais, si route menu du coup la fin toi je peux le comparer avec un LC nul ou faut le get je sais plus tu peux faire ça s'il est nul faire le return à si c'est mal passé. Merde. C'est la vice. Et là du coup normalement nous, sinon on peut juste faire du coup je vais dire il est pas normal cet endroit object ouais y'a rien donc container ouais. Alors c'est un unique PTR. Children. Attends. Menu. Oh, tu l'as mis en unique PTR celui-là? Ah, parce que t'es obligé. Okay. En quoi? Non, c'est bon, j'ai rien dit. Ok, très bien. On va faire ça, hein. L'autorité a raté. Non, mais voilà. Donc ça. Ça dégage. Et donc le code de rendu change pas parce qu'on avait déjà la route qui fonctionnait comme une route. Ouais, c'est ça qui est bon. Comment? Normalement c'est bon. Là, tu as rajouté 70 lignes de data et 200 lignes de code pour enlever 15 lignes de code. Ouais mais on peut la changer juste en data tu vois. Ouais. Une 69 je fais des conneries. Allez hop. Pas légal ça? Qu'est-ce qu'il y a? Pas ce fichier, je pense. Bah, c'est si, main 69. Ah, c'est l'in 68. Il n'arrive pas à convertir ton truc en string view puis en span de string view. Je pense qu'il faut quitter la string view.
Ah oui, il y a une erreur en 68. Ouais. Donc il faut bien un spawn quand même. Ouais, parce que dans ce truc, il est pas exactement le team de string view. Tu peux faire juste, à mon avis, NLC string view de main menu fandom, et puis ça devrait le faire. Sans faire de variable. Je peux faire ça du coup. Le mec span. Non, parce que là, il va se faire un span de char. Salon. Du coup, faut forcément que je le mette dans un. Juste créer une string view, en fait, de ton truc. Et puis après, le span se crée. Alors si ça c'est une string view, ça va bien se passer. Ouais. Par contre tu pourras pas la faire constée. Ouais mais voilà aussi, pourquoi? Parce que le compilateur de Windows il plante. Pourquoi? Parce que... Il est nul. Oui. Rendez l'argent Windows. Lint72 log error. On passe ça. Je suis gouré. Non, ça prend le bon texte, pas les erreurs. Excellent. Oh là là, il y a plus d'erreurs que sur le tout le code de tout à l'heure, quoi. Canot convert initialiser list ou base widget. Ah, je crois que c'est ce que là, du coup, ça renvoie un optional et que j'ai pas bien fait le truc en optional. C'est le TC là. Bah oui, non mais voilà le copier-coller. Qu'est-ce qu'on disait? C'est quoi le nom de la fonction? C'est le de widget, non? Compiler.hpp. Oui, c'est l'autre le widget, c'est pas du N. Ah non, c'est ce que c'est mon. Ok, c'est ici, je me suis rendu. Ah, tu peux le mettre dans le. Là, ils t'ont fait plus include quand même dans ce Twitter. Ouais, mais il était fait un peu à l'arrache ce header là, je vais pas te mentir. Hein. Y'a pas besoin de. Non. Par contre, rajoute une. À chaque fois, j'en mets. Enfin, tu sais, c'est sérieux, j'ai pas l'impression qu'il m'a déjà gueulé dessus pour ça. Donc là, il y a MDF types. Types forward. C'est types forward qu'il faut prendre. Bah. C'est quoi la différence? Types forward, il fait juste des forward des clairs. Et après, il faut optional allocator. Donc allocator, ça va être dans dialect, c'est ça? Ouais, tu peux le forward des clairs. Et du coup, faut que je fasse le namespace. Tu peux forward déclare avec le namespace dans le nom? Non, il faut que tu fasses namespace. Ouais, c'est ça. Hein, c'est... Ça, c'est un ça, peu c'est dommage. Un peu, parce que ça se déduit facilement normalement. Quoi. Ouais. C'est une struct classe. J'aurais tout tenté. T'as tout donné. Mais... Et il manque optional. Ouais. Optional qui du coup y a pas d'allocation dans optional. Ouais. Du coup c'est fondamental. Non, c'est dialecte. Ouais. J'hésite toujours entre les deux, c'est horrible. Lui il aime pas. Ah non, c'est juste des erreurs de CPP17. Et il me faut base widget. Je peux forward declare base widget vu qu'il est en optionnel. Allô? J'ai dit non, t'as pas entendu. J'ai dit deux fois. Non, désolé, j'ai pas entendu du tout. Bah voilà. Ah, bravo. Du coup, faut que je m'inclue quoi. Ouais. Je sais même plus dans quoi il est. Il est là. Oui, widget, base widget.
Raté. Parce que t'es déjà dans UI, en fait. Ah. Malin. Il faut quand même mettre le. Il a pas l'air d'aimer pour autant. Non, mais... Ah, parce que je suis dans UI, ouais, pas dans UI Widget. Quelle idée aussi. Faire des passes à la con. Ouais, sûr pas. Ah, UI, UI Data. Cannot include. Est-ce que c'est une feinte à base de GMIRS comme un salaud? Non, mais non. Bah c'est que parce que je s'écris base widget en camel case, en stack case. Ah oui, mais si, qu'est-ce que je fais? Je me fatigue des fois. Moi aussi, tu me fatigues. Et voilà. Ah là, ça va être chaud quand ça marche du premier coup, c'est chaud. Non, c'est sûr, t'as une erreur MDF. Bah oui. Vu comme il a été écrit à l'arrache. Ça charge. Ça aurait dû sauter la gueule, je pense. Mais bah non, tu vois. Ah, c'est une assertion, c'est pas. Ah. Variant.hpp 163. Any kind. Et là, t'es un peu baisé parce que t'as pas la call stack. Eh ouais. T'as pas des buggers. Toujours pas. Dommage. Y'a un truc que t'as casté dans un truc qu'il fallait pas. C'est rigolo ça. Mais alors là, pour le retrouver. On va s'amuser. Hein. Donc lui, on en a plus besoin. Bah, tu peux commenter les trucs comme un gros point. Dans l'autre widget, tu commentes au fur et à mesure pour ajouter des trucs. Dans le load widget. Dans le MDF, tu veux dire? Non, non, dans le code. Au début, tu cherches pas tout. Tu cherches que les premiers trucs. Tu vois si ça marche. Genre, on fait pas cette partie là, comme ça on n'a pas les components. Il va marcher sans dire ça. Belle chargement de toucher, il se fait après l'ouverture de OpenGL. Je vais peut-être le mettre avant pour pas que ça te prenne. Ouais, je vais le mettre avant parce que ça va être chiant sinon. Il y a vraiment du mal au OpenGL hein, sur... Ouais, mais ça faut qu'on se fasse une session et qu'on regarde ça prend du temps, en fait, voilà, qu'on fasse un petit profiling. Parce que c'est pas c'est ce que... En fait, j'avais besoin de... le window, du coup, c'est pour ça qu'il y avait tout ça qui était loadé à ce moment-là. Mais je peux très bien prendre ça et le loader avant. En faisant de la fenêtre. Pour la taille du base widget. Mais Et Windows Size, c'est une constante que tu as définie dessus. Bah oui, donc en fait, je pourrais quand même le faire avant. Mais... J'ai jamais dit que c'était parfaitement malin. Hein. Là, ça pète direct. Ah, voilà. Moins, c'est plus rapide. Okay, donc là, ça pète. Du coup, ça pète toujours, en fait. Ça se trouve, c'est dans... Ça doit être là, regarde. Là. Là, je vais essayer de commenter ça, parce que je l'ai gardé alors que j'en ai pas besoin. Bah, les variants, en vrai, il y a moyen que ça vienne de là. Hein. Non. De là où je pense de avant même du code qui. En fait, toujours. The souhait. Ah, merci. Avant le code qui. Peut-être même. Comment? Peut-être même que c'est avant l'autre widget dans le code qui va copier le machin. Ah, tu veux dire. Je sais pas. Bon, ici. Non, il y a. C'est tu sais qui. Ouais mais là y'a rien en fait. Ah mais non c'est que du VRHS là tu vois. Vas-y casse je fais. La vie de celle lui là sinon je le ferai jamais. Donc là je vois pas comment ça pourrait péter ici. En vrai. C'est pas impossible hein, ouais, je dis pas que c'est impossible. Ça doit être ici je pense. C'est peut-être là. Genre les arrêts peut-être. C'est comme ça qu'on déclare des arrêts de flotte. Zut. Zut, vite. Damien, il a réussi à le compiler le MDF. Hein. Alors, c'est pas mal. J'ai une mini casse-croûte. Si on passe
C'est un peu la partie la plus complexe du loading. Oh non! Ah ouais, mais si je ne déclare pas le red widget. Ça renvoie nul. Peut-être. Non, on fera ça après. Putain, ça pèse encore. C'est un délire, ça. Dans le premier truc. En fait, tu fais des is. Les is, ça explose pas. Là, t'as un get pour la screen position desk. C'est ça. Ça 99 et 105. Deux qui peuvent ouais, ce serait ça qui pèterait. Optional, c'est nul péter. Non, c'est même c'est nul. Ça. Là, si je commande ça, ça a pu fonctionner. Mettons celui-là, je le commande. Bon, en sachant que les deux, c'est les mêmes en vrai. Donc, peut-être le Elements Float. Ah, peut-être. Ah, parce que oui. Reviens dans ton MDF. Comment ? Dans ton MDF, je crois que t'avais un tableau qui était où t'avais pas mis des floats dedans, t'avais mis des entiers. Et... Ah, c'est... Bah, celui-là, ouais, ce serait le size en fait. C'est le oh des entiers en fait. Des entiers. Je pense que tu dois le faire en entier. C'est normal que je sais pas. Le donne en pixel. Je sais pas, mais pour le moment. Parce qu'en vrai, je pense que ça va pas rester longtemps comme ça. Comme je te disais, je pense qu'il faudra le faire en screen relative. Donc... Ouais. Mais bien reference. Quel casse-couille! Voilà. Du coup, il apparaît ici, elle crée, donc c'est nickel. Mais... Okay, donc c'était bien ça. C'est pas dit qu'il n'y a pas d'être erreur aussi. Mais C'est ça. Est-ce que je pourrais le checker ça du coup? Ça va être compliqué en vrai. Faudrait que je regarde l'arrêt MDF et que je passe sur chacun des éléments pour vérifier qu'il est bien de type plot. Ouais, c'est ça. Bah tu vois. C'est relou. C'est parce qu'il y a d'autres endroits où j'ai fait la même connerie. Ah bah il y a size, tu l'as remis ouais, partout, t'as mis des entiers. L'avantage du NetDriven, c'est que j'ai pas recompilé là. Après, en compilé, il m'aurait niqué la gueule. Non mais c'est pas bon. Ça a l'air de passer là. Eh. Pas mal quand même. Ouais. Ça marche. Bien. Oh là là, que c'est beau. Donc là, si par exemple on décide que lui en fait il a une taille de 50. Le 20 c'est peut-être un peu petit quand même. Ouais, pour le titre. Hop. Ouais, la position on part nickel. En même temps tu l'as mis au milieu. Ah non, pas. Non, en fait c'est le titre que j'ai mis au milieu. Alors que le titre en fait justement il devrait être décalé sur la gauche en fait. Mais la prochaine fois, on fera l'input pour refresh les data sans relancer le jeu.
Et voilà, maintenant on peut tuner le menu sans Voilà. avoir à compiler ou à toucher du code. C'est bon. Stylax. C'est type pas stylé. C'est stylé. Et tu vois, le titre est encore un peu trop à droite, je pense. Ouais. Mais je suis très mauvais en UI, donc. C'est pareil, tu vois, le start. Ah putain. Excusez-moi. Ah, j'ai. Non. Ah. Il est censé commencer en 800, il commence pas en 800. C'est marrant cette histoire-là. C'est un problème, ça. Oui, c'est complètement un autre problème, hein, ça. Tombe bien, tu vois, on a fini 8h05. Ouais. Parfait, ça ça. Dit pas merveilleux. On s'arrêtait là-dessus. Allez. Et en une semaine, on a eu un menu. Ah, c'est pas mal. Ouais, non, c'est surtout pas que là, maintenant, en vrai, faire un menu, ça demande juste de refaire du MDF et puis faire trois lignes pour charger le fichier. On est pas mal en time factorisation. Ouais, je suis assez satisfait en tout cas. Bon, par contre, il y a cette histoire de texte qui commence pas en 800. Curieux. Là, il faut un débugger. Mais on verra ça plus tard, je pense. Mmh. Ah, il y a même un moment où il faudrait qu'on fasse un débugger du UI. Ouais. Ça va être volu. L'éditeur du UI. Après, ce serait MDF, pas mal, mais tu produis le MDF depuis l'éditeur, et ce serait possible. Hein. Mais c'est velu quand même. Oui. Après générer du MDF, je te fais. Ça se fait pas. Parce que du coup, tu peux genre créer les objets MDF et les exporter. Après, il y a une fonction pour le dump en string. Et puis... Ouais, j'allais dire, le MDF il peut s'écrire lui-même en fait. Hein. C'est ça. Les objets sont bien créés. Donc c'est pas ouais, c'est pas mal. Il y a des exemples en plus. Ça, on aime les exemples. C'est bien ça. 9. Je finis juste ça. Ah, il est quand même 27. Non, lui, il doit pas avoir... Voilà. Ok. Bon, bah, du coup, on est bon. On est bon, 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 on est bon. Alors. Bah, écoutez. Ça conclut, du coup, le stream. Complètement. Eh bien, voilà. Eh bien écoutez, en espérant que vous avez passé une bonne soirée, et du coup on se donne rendez-vous quand déjà, la prochaine? Bah du coup, à voir. Moi je dirais bien mardi prochain. Mardi prochain, le prochain? Bah ouais, ça me semble pas mal. D'accord. Qu'est-ce que vous en dites? Bah écoutez, ok. Moi pendant ce temps-là, je vais continuer un petit peu encore, histoire de s'avancer. Et comme ça, on s'attaquera en fait aux items. Ah, oh, yes. Aux items et aux events. En fait, on va peut-être même commencer plutôt par les events. Puis après, on verra les items. Voilà. On fait comme ça. Donc. Bien. Bah écoutez, passez une bonne soirée, vous deux. Bah, bonne soirée à tous. Bonne soirée. À mardi prochain. Allez, tchou tchou, à mardi.